Salut tout le monde, voilà, nous sommes au PSC numéro 5. Je voulais un peu cette période de flottement qu'il y a eu entre le 4 et le 5 d'aujourd'hui. C'est parce que je me demandais si c'est vraiment ce que je voulais faire, ces vidéos. Oui et non, en fait. Alors, comment on peut profiter un peu de cette période de confinement? Et bien déjà, c'est la nature qui prend le dessus. Rien que pour ça, ça vaut le coup de s'enfermer un peu. Hier, j'ai vu une biche s'éclater à la plage dans les Landes. Et rien que pour ça, on se dit, bon, bah, on laisse un peu notre hégémonie sur cette planète de côté pour laisser la nature reprendre un peu ses droits et puis profiter de ce bonheur, de cette pause universelle là. C'est extraordinaire, rien que pour ça, ça vaut le coup. Te dire, bon, ben, on s'enferme un coup, c'est mortel, quoi. Enfin, je veux dire, c'est mortel. Bon, c'est extraordinaire. Ensuite, comment on peut ressortir grandi? Comment on peut avoir... ressortir un peu de cette période de confinement en se disant, bon, bah, j'ai avancé sur mes projets, notamment pour ceux qui me suivent, c'est plus les projets d'écriture. Et moi, j'ai repris tous les écrits que j'ai, je les mets enfin sur ordinateur parce que je ne trouvais jamais le temps de le faire. Alors ça, c'est une grande question parce que mes deux précédents romans, bah, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai suivi en chronologie sans me poser de questions sur la structure du roman, comme je vous en ai déjà parlé. Donc ça, c'est un grand défi pour moi et je vois que je reprends un peu la même façon de faire. Donc j'ai beaucoup de remises en question à faire et je vais en profiter dans cette période de confinement pour aller plus loin. Alors quel est le grand problème qu'on rencontre tous? C'est se mettre en groupe. Donc David Laroche qui propose un groupement. On est... un groupement sur une sorte de réseau privé, Inside Project, et son idée, c'est de se dire, bon, bah, en tant que personne, on est pour vraiment trouver l'énergie à l'intérieur de soi, c'est se dire en priorité, c'est pas notre intelligence, enfin moi c'est ce que j'ai retenu du truc, c'est pas notre intelligence ou notre talent sur lequel il faut compter, mais c'est sur vraiment cette énergie qu'on met dans le travail et cette énergie, cette volonté d'avancer, jour après jour, et c'est ça qui nous lance vraiment. Et j'ai vachement apprécié ça parce que c'est un peu le truc. Il parlait d'une étude sur les enfants, 50% des enfants, on leur demande de faire un puzzle très compliqué, 50% des enfants qui ont réussi, on leur dit que c'est parce qu'ils sont très intelligents, et les autres 50%, on leur dit que c'est parce qu'ils ont mis beaucoup de force et de travail là-dedans pour accomplir la réussite de ce puzzle. Et c'est cela... C'est ceux à qui on a dit que c'est leur ténacité, en fait, qui payait, qui se lancent des défis plus grands et qui n'ont pas peur d'échouer parce qu'ils savent qu'en laissant de l'énergie et du travail, ça va payer. Et en fait, je crois que c'est... Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que le fait, quand j'ai été beaucoup dans l'art, j'ai fait beaucoup de choses... que ce soit en dessin, en performance, en chant, en musique, etc. Et j'avais effectivement pas mal de résultats qui tournaient toujours autour de compliments qui ne me faisaient pas du bien du tout, qui me rendaient mal. Et donc c'est pour ça que ce qu'il a raconté hier me parle beaucoup, c'est que en fait plus on te dit que tu as du talent ou que vraiment c'est t'es une vraie artiste ou des conneries comme ça, bah en fait ça plombe le fait que c'est le travail qui paye. En fait, il faut compter vraiment sur son énergie, sa volonté, le travail, c'est ça qui paye.
Et ce n'est pas de se dire, oui, on a du talent, parce qu'après, ça nous fait peur. Le jugement des autres frappe, en fait. Et ça, ça m'a vraiment fait percuter que là, par exemple, ces vidéos que je n'osais plus faire parce que je me trouve nulle dans ces vidéos, je trouve ça nul, quoi. Je me dis, mais ça va aider personne. De toute manière, personne ne me regarde. Ça sert à quoi? Et là, aujourd'hui, je me suis dit, mais fais-les. Parce que c'est du travail. C'est quelque chose qui a une suite. Et c'est dans la... C'est dans le travail au jour le jour qu'on y arrive. Donc effectivement, là, la reprise de mes écrits, je me dis, mais je remets la même routine, je n'ai pas une stratégie d'écriture qui fait que mon roman, il aura un impact, il aura une qualité intrinsèque qui fera que les gens seront, ça parlera aux gens, ça les fera agir, ça leur fera du bien, etc. Voilà. Il y a plein de pensées comme ça qui me disent qu'un roman, de toute manière, ça ne sert pas à faire avancer les gens dans leur vie. Enfin, tout ça étant, je me dis, bon, bah, finalement, jour après jour, ce travail d'écriture, même si pour l'instant, il ne me satisfait pas, parce que j'aimerais avoir une stratégie, une intelligence là-dedans, comprendre comment le structurer au mieux, bah, c'est en faisant que j'y arriverai avec ces pensées-là. Des pensées productives, qui soient productives, quoi. Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Je vais plutôt la faire, la jouer comme ça avec ces PSC, parce que je vois pas pourquoi je continuerais dans le jugement de c'est nul, à quoi ça sert, etc. Donc j'y vais, et pour qui veut, quoi. Bon bah salut, à très vite. Et puis bonne journée de confinement, profitez-en bien, et puis essayez de réfléchir à tout ça, c'est déjà pas mal. Ciao.